Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube consacrée une fois de plus aux nouveaux die de chez Action. Et oui, encore des nouveaux die, encore une nouvelle série. Donc c'est une série de 8, ils coûtent 3,39 € l'unité. Donc ils ne sont pas sur le site internet, donc j'ai été surprise de les trouver. Donc je vous présente le premier, donc vous avez un ensemble de 3 die. Donc avec des cadres, donc là on a une espèce de cadre avec des petites fleurs, un cadre alternance rond et petite croix, et puis un petit fond avec des petits cœurs. Donc voilà ce que il préconise de faire, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là il y a trois jolies dies sur le thème fleurs et cœurs. Le deuxième, c'est aussi sur le thème des cadres. Donc là, on a deux cadres. Ouais, je sais pas trop en fait si c'est deux ou quatre. De toute façon, je vous ferai une vidéo dans laquelle je les testerai. Donc là, il y a une première matrice, une deuxième matrice avec des cadres. Et ensuite, on a deux petites fleurs pour agrémenter, pour faire des embellissements. Et voilà ce que eux préconisent. Donc ouais, je pense que c'est juste deux cadres et au milieu, je pense que c'est juste de l'embossage. Donc on verra au moment des tests. Sur le même principe, on a les cadres avec les cœurs. Donc là, a priori, je ne sais pas, on a un cadre ou trois, je ne sais pas trop. Si c'est de l'embossage ou de la découpe, faudra voir à l'usage. En tout cas, il y a un seul bloc ici et ensuite trois petits cœurs pour faire des embellissements. Et voilà ce que eux suggèrent. Donc là, a priori, on est bien sur trois cadres, je pense. Bon, j'ai trop hâte de les tester parce que je ne me rends pas vraiment compte de ce que ça donne. Même principe ici avec le thème sur les fleurs et les feuilles. Donc là, on a une seule matrice, ou trois, je ne sais pas. Et du coup, des petites feuilles pour faire des embellissements. Et voilà ce que eux préconisent. Ensuite, toujours dans les cadres avec des formes, on a un hexagone. Oui, il y a six côtés. Donc un hexagone et puis ensuite des octogones qui ne sont pas réguliers. Là, il y a des arrondis sur les angles. Donc là, pour faire des fonds de cartes ou ce genre de choses, ça peut être sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y en a 3, 6, 7 arrondi et un central en mode hexagone. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté non plus pour celui-ci où vous avez 5 cercles avec des petits pics, on va dire. Un peu comme des festons. Donc voilà ce que eux préconisent. Et puis ensuite, un que j'aime beaucoup en mode couronne, donc une couronne de cœur, donc une grande couronne, une petite couronne, et puis encore des petits feuillages. Donc, comme on a toujours besoin de feuillage, donc, je trouve que ça fait un style très sympa. Donc, voilà ce que eux proposent. Et puis le dernier que j'ai pris, mais que j'aime un peu moins, mais je l'ai pris quand même, je l'ai surtout pris pour le tour avec les étoiles. Donc là, vous avez en mode coucher de soleil avec le tour. Avec des étoiles. Donc le coucher de soleil me plaisait un petit peu moins. Après, à voir, je serais peut-être un pochoir pour éventuellement faire des fonds de cartes, ce genre de choses, je sais pas. Par contre, ce qui m'intéressait en fait, c'était le tour avec les petites étoiles. Puis éventuellement la petite couture. Donc voilà ce que eux préconisent. Voilà, donc là, un ensemble bah, de 8, une série de 8. Qui sont quand même plutôt sympas, mis à part le dernier que j'aime un petit peu moins, mais après, vous y trouverez peut-être votre utilité. Donc voilà ce que ça donne en termes de réalisation. Voilà, donc 3,39 €. Donc j'en connaissais pas l'existence bah, du fait qu'ils sont pas sur le site internet, notamment. Et puis voilà, je suis tombée dessus complètement par hasard, donc j'ai craqué. Une fois de plus. Donc là, depuis quelques temps, là, il y a quand même pas mal de nouvelles séries. Voilà, donc si ces dies vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner.
pour être prévenu en temps et en heure des nouveautés. Et puis, faites sonner la petite cloche. Si vous voulez avoir plus d'informations ou quoi, ben, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Voilà, mais moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et bonne création!